Je voudrais souhaiter à tous une chaleureuse bienvenue. Nous sommes chaque fois reconnaissants de pouvoir être ici ensemble pour être bénis. Et à chaque fois, nous avons le désir que Dieu nous parle, que nous comprenions son, sa parole, que nous nous approchions de lui et que nous nous, nous rapprochions aussi des uns les autres, que nous soyons plus intimement liés à lui et les uns avec les autres. Vous savez que l'amour de Dieu ne connaît pas de frontières. Et de limite, il, il s'étend sur tout, englobe tout. Et dans cet amour divin, nous pouvons être unis en tant que rachetés qui ont été aimés d'abord et appelés à sortir ensuite. Nous souhaitons donc que vous vous sentiez bien, que vous vous sentiez chez vous et que nous soyons bénis ensemble. Nous ne savons pas combien de temps nous pourrons encore bénéficier du temps que nous avons maintenant. C'est pourquoi nous devons le racheter et profiter de chaque occasion que nous avons d'entendre sa parole. Il se peut que le temps vienne, comme il est écrit dans le prophète, où les hommes chercheront la parole de Dieu et ne la trouveront plus. Trouveront plus. Il est encore possible de la trouver, mais nous devons aussi chercher. Et celui qui cherche trouve. Eh bien. Je voudrais me joindre à vous ce soir à, un, à une parole, et si Dieu le veut, je traduirai ensuite demain une prédication de frère Branham. Vous savez bien que nous sommes richement bénis par les prédications qui viennent de la bouche de cet homme appelé. Et comme les prédications de, de la Bible, des actes des apôtres, ou où, où qu'elles soient, Bien qu'elles soient très anciennes, elles sont toujours actuelles, elles ont toujours quelque chose à nous dire. Il en va de même pour les sermons de Frère Branham, Car l'Esprit de Dieu n'a pas parlé de manière limitée dans le temps, mais il a vraiment, jusqu'à la fin des temps, il a résumé et révélé toutes choses. Et nous vivons maintenant dans le temps glorieux où tout ce que nous devons savoir nous a été révélé. Avec l'aide de Dieu, nous n'avons pas seulement la lettre, tout le monde l'a, mais la parole de Dieu révélée par l'Esprit. Et nous en sommes très reconnaissants pour cela. La Bible, en tant que, que livre, chacun peut la porter sur lui et en dire ce qu'il veut, mais c'est tout autre chose de porter dans son cœur la parole de Dieu révélée par le Saint-Esprit. C'est tout à fait, tout à fait autre chose. Maintenant, je n'avais certainement pas l'intention d'aborder Colossiens 2, car je ne savais pas du tout qu'il serait lu. Je pensais à une parole que j'ai lue dimanche à Zurich, et qui d'une certaine manière... Me préoccupe et me meut encore et me touche beaucoup. Mais avant d'en parler, laissez-moi lire directement les versets suivants de Colossiens 2. Car en effet, dans ce qui vient d'être lu, l'événement à Golgotha, ce qui s'est passé à Golgotha, nous a été décrit en introduction et de et ce, de manière la merveilleuse. Ensuite, il est écrit directement ici à partir du verset 16. C'est pourquoi que personne, et donc, à cause de la nourriture ou de la ou de boisson, ou à propos d'une fête, fête d'une nouvelle lune ou d'un sabbat, sabbat, ne porte sur vous des jugements de vous injurieux. Ces, Ces choses, en effet, ne sont que l'ombre de ce de qui, qui doit venir dans le, le futur. futur. L'être corporel de la réalité. En revanche, c'est Christ, c'est Christ. Que personne donc ne vous condamne en se complaisant dans un comportement humble et dans le culte des anges, en se vantant de ses visions, gonflées sans raison de ses sens de ses sens charnels et qui ne s'attache pas à la tête, à partir de laquelle tout le corps est soutenu et maintenu par les articulations et les ligaments, accomplissant ainsi une croissance ordonnée par Dieu. Beaucoup de choses sont dites ici, peut-être plus que nous ne pouvons le comprendre pour le moment. Déjà, le verset 16 commence avec c'est pourquoi, c'est pourquoi, parce que Christ a offert un sacrifice parfait décrit avant le verset 16. Et cela indépendamment des, des, des aliments, des sabbats, d'une quelconque règle, d'un quelconque statut ou bien d'un euh, d'une quelconque dictate. C'est pourquoi nous devons faire toutes ces choses, qu'il s'agisse de nourriture, de boissons, de fêtes, de nouvelles lunes, de sabbat, quoi que ce soit. Tout cela n'était que des ombres. C'est pourquoi nous devons faire, plutôt, c'est pourquoi nous devons considérer ces choses, qu'il s'agisse de nourriture, de boissons, de fêtes, de nouvelle lune, de sabbat, quoi que ce soit. Tout cela n'était que des ombres. En Christ, c'est en Christ que la réalité est apparue, et c'est pourquoi personne ne doit plus faire référence à des choses secondaires. mais Placer le Christ et la croix, le crucifié et ce qui s'est passé par ce biais au centre. Bien sûr, nous comprenons très vite quand il s'agit de sabbat, de nouvelle lune, de nourriture, de boissons. Nous disons, bon, nous n'avons pas trop de mal avec ça. Nous n'étions pas juifs et n'avons de toute façon jamais vraiment eu à respecter les prescriptions. Mais lorsqu'il est dit ensuite au verset 18... Que personne ne vous condamne en se plaisant dans un comportement humble et dans le culte des anges, en se vantant de ses visions gonflées sans raison de ses sens charnels. En lisant cette phrase, on pourrait penser qu'il s'agit de personnes tout à fait spirituelles qui fréquentent presque les anges constamment et voient des visions et qui pourtant, sans raison, se gonflent d'orgueil et ne peuvent pas devenir une bénédiction pour le peuple de Dieu. Il y a donc effectivement une possibilité, selon cette parole ici, que l'on se comporte spirituellement, de manière spirituelle, et que l'on vive peut-être aussi de grandes choses avec Dieu, qu'on expérimente de grandes choses avec Dieu, mais que l'on ne s'attache pas à la tête. Si nous ne nous, nous attachons pas à la tête, nous assisterons à une croissance. Nous assisterons à une croissance commune. Et c'est très important de s'attacher à la tête. C'est seulement comme ça que nous pourrons assister à une croissance commune. Mais celui qui ne s'attache pas à la tête, qui ne se sent pas relié aux membres du corps, n'est pas non plus relié à la tête. Celui qui est relié à la tête est relié aussi aux membres. Il ne peut en être autrement. Et l'adoration des anges, ou bien alors le culte aux anges, n'est pas non plus utile. Mais, ce, mais cela signifie ici se plaire à soi-même. Si toi et moi, ou moi, si nous nous plaisons, cela ne signifie pas pour autant que nous plaisons à Dieu. Nous pouvons nous regarder et, et penser que tout va bien avec nous, que c'est vraiment bon. Mais comment Dieu nous voit Nous voit-il Sommes-nous une bénédiction pour son peuple Sommes-nous une bénédiction pour les autres Respectons-nous la tête Attachons-nous à la tête Tel qu'il est écrit ici, y a-t-il une croissance qui pénètre chaque membre, qui fait que tout est lié à la tête Ou à quoi cela ressemble-t-il Savez-vous qu'en réalité, c'est avec ceux qui se croient les plus spirituels que Dieu a le plus de soucis et de peines. Avec tous les autres, il trouvera très vite le moyen de s'en sortir. Mais plus, plus les gens sont spirituels, et je veux dire même dans le vrai sens, pas du tout d'une autre manière, car il est dit ici dans un sens positif, au verset 18, que personne ne vous condamne en se complaisant dans un comportement humble. Et dans le culte des anges, en se vantant de ses visions, il ne s'agit pas de choses fausses ici, mais de choses qui peuvent être justes, mais qui sont alors mais, mais qui est alors sans raison gonflé dans, dans son sens charnel est-il possible de voir des visions et d'être ensuite gonflé de, de manière charnelle sans raison gonflé charnellement dans, sans raison dans ce, dans ce sens bien sûr car l'un vient de L'un vient de Dieu. Les, les visions, ce qu'on reçoit vient de Dieu. Si quelqu'un voit une vision, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas toi ou moi qui l'avons mérité. Dieu l'a donné à toi et à moi. Mais si toi et moi en tirons quelque chose, alors notre propre moi s'élève et alors on devient gonflé et orgueilleux. Et cela ne sert à personne. On dit sans raison. Bien sûr que c'est écrit c'est sans raison parce que cela vient de Dieu. Alors pourquoi se gonfler Et tout ce qui vient de Dieu. Tu n'as pas à te l'attribuer. Ni moi non plus. Tout cela est grâce. Peu importe quand où et avec qui cela se produit. Lorsque Dieu se révèle à un homme, mais c'est de la grâce. Quand Dieu sauve quelqu'un, c'est la grâce. Quand Dieu guérit, c'est de la grâce. Quand Dieu se révèle à toi, c'est une grâce. Alors, personne n'a de raison de s'enorgueillir et de se l'attribuer. Sans raison, il relit la fin du verset 18, gonflé dans ses sens charnels et qui ne s'attache pas à la tête du verset 19, à partir de laquelle tout le corps est soutenu et maintenu par les articulations et les ligaments, accomplissant ainsi une croissance ordonnée par Dieu. Ordonnée par Dieu. Nous avons ici l'image de la croissance du corps de Jésus-Christ dans la volonté de Dieu. Tout est lié les uns aux autres. Il n'y a personne qui puisse se retirer d'une manière ou d'une autre en faisant cavalier seul. Ce serait comme si on prenait mon pied droit et qu'on s'en allait. Ou ma main. Et avec ma main, on suivrait ses propres voies. Non, le corps tout entier, avec tous ses membres, est uni et inséparable. Et la croissance est en effet un organisme assemblé que Dieu a placé dans ce monde, dans un but précis, on dit, et ne s'en tient pas, ne s'attache pas à la tête. Il ne sert alors à rien de se vanter d'avoir expérimenté telle ou telle chose. Cela ne sert absolument à rien. Et si je pouvais dire aujourd'hui, Dieu a ressuscité les morts à travers moi. Et si je ne me savais pas attaché à la tête et relié à tous les membres du corps de Christ, tout cela ne me servirait à absolument à rien. Personne n'atteindra le but tout seul, tout seul, en faisant cavalier seul. C'est un corps du Seigneur. Et ce corps est composé de nombreux membres. Et l'ennemi ne doit pas réussir à déchirer ses membres et à les diviser. Car alors. Ce n'est plus un corps, mais un corps déchiré. Et les différents membres sont éparpillés. Et alors, comme l'a vu le prophète Ézéchiel, ce qu'il a vu doit venir sur le corps du Seigneur, sur chaque membre individuellement, afin qu'il soit réuni en cette unité divine et que le corps puisse alors se tenir sur ses pieds et ne s'attache pas à la tête. Mais sans raison est gonflé dans ses sens charnels. Bien que le divin ait été vécu, expérimenté, reçu de Dieu, co communiqué, qui d'entre nous serait ici qui pourrait déjà dire oui, un ange du Seigneur ou oh, 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 oui. Euh. Ou bien qui parmi nous pourrait parler de la visite d'un ange et se vanter de, de, de leur vision Je ne sais pas si quelqu'un est ici. C'est peut-être la raison pour laquelle vous êtes ici. Parce que vous ne pouvez pas vous vanter. Parce que vous n'avez rien dont vous puissiez vous vanter. Et nous arrivons alors à la parole que Paul a prononcée. Si quelqu'un veut se glorifier, qu'il se glorifie dans le Seigneur. Et de ce qu'il est miséricordieux et compatissant. Et alors toute vantardise nous échappe. Alors nous nous glorifions de la grâce. Alors nous nous glorifions de celui qui a pris soin de nous et qui a eu pitié de nous. Ça fait 30 ans que je suis croyant et je n'avais vraiment pas l'intention de lire cette parole. En fait, elle est presque nouvelle pour moi. Cela fait très longtemps que je ne l'ai pas lue. Je me suis davantage penché sur la partie prophétique. Mais c'est une parole très... Très importante ici. Nous pouvons recevoir des choses spirituelles et être malgré tout ma gonflé d'orgueil euh, et être charnel. Et alors à quoi nous ont servi les choses spirituelles si nous sommes gonflés et charnels, si nous nous retirons de la et ne sommes pas attachés à la tête et nous retirons de la tête? du chef du corps et suivons nos propres voies et si nous déchirons le corps du seigneur par nos interprétations cela ne doit pas arriver que dieu nous en préserve et si le corps du seigneur est déchiré si le corps du seigneur est endommagé à qui profitera t il tout ce que nous disons vraiment à personne levons donc les yeux vers le seigneur tenant fermement à l'unité de l'esprit et malgré les expériences que Dieu nous donne, évitons de nous en attribuer le mérite en pensant que oui, nous sommes spirituels, que Dieu nous ait fait vivre telle ou telle chose. Celui qui est vraiment spirituel se laissera conduire et, et guider par l'Esprit de Dieu en accord avec les Écritures dans toute la vérité et la conduite et la direction du Saint-Esprit se font toujours en accord avec la parole de Dieu. On sera alors obéissant à chaque écriture et il n'y a pas d'autre direction de l'esprit. Et c'est donc par grâce que nous accepterons cette leçon et que nous en remercierons le Seigneur. Il est ensuite dit au verset 20, si vous êtes mort avec Christ, dégagez des éléments du monde. Pourquoi, comme si vous viviez encore dans le monde, vous laissez vous imposer des dictats, par exemple, tu ne toucheras pas à ceci, tu ne mangeras pas cela, tu ne goûteras pas à cela. Toutes ces choses, en effet, sont destinées à être détruites par la consommation et constituent des commandements d'hommes et des enseignements d'hommes. Tout ce que les hommes ont à, ont à se dire les uns aux autres, ce sont des commandements d'hommes, des dictates d'hommes, des enseignements d'hommes. Seul ce que Dieu a à nous dire est un enseignement divin. Et il est écrit, ils seront tous enseignés de Dieu et par Dieu. Et si nous avons été enseignés par Dieu, alors nous sommes en accord avec Dieu et les uns aussi avec les autres. Car alors nous avons les... Les, les pensées de Jésus-Christ et non pas l'un et l'autre avec euh, leurs opinions particulières, mais tous ont été orientés par une seule direction, une seule conduite et c'est la direction divine, la conduite divine. Il est dit ici au verset 22, toutes ces choses en effet sont destinées à être détruites par la consommation et constituent des commandements d'hommes et des enseignements d'hommes. Les commandements et les enseignements de, des hommes font des hommes des esclaves, des esclaves de ce que d'autres leur imposent. Mais l'enseignement de Dieu nous rend libres. La parole de Dieu nous libère de tous les liens et nous permet d'entrer dans la liberté des enfants de Dieu. Mais voici maintenant le point culminant de toute cette histoire, verset 23 qui bien qu'ayant une réputation de sagesse particulière due à une piété et une humilité choisie et à une dureté impitoyable envers le corps, sont sans valeur réelle, ne servent qu'à satisfaire la chair. Nous avons ici énumérer l'ensemble selon lequel Paul donc c'est juste pour satisfaire la chair c'est une apparence extérieure nous avons ici énuméré l'ensemble selon lequel Paul a présenté la croix et, la, et le crucifié et la rédemption valable il donne un sérieux avertissement à ne nous laisser lier par rien ni par personne si spirituel soit-il en aucune manière par des prescriptions ou des ordonnances humaines que ce soit en matière de nourriture et de boisson, quelle qu'elle soit, mais à servir fidèlement le Seigneur qui nous a rachetés. Toutes ces choses humaines, comme il est dit ici, ont une réputation de sagesse particulière, due à une piété et à une humilité, humilité choisie par soi-même. À quoi te sert la piété que tu as choisie toi-même euh, Sert pour toi et pour moi la réputation d'une sagesse ou d'une connaissance particulière ou d'une humilité que tu as choisi toi-même. Si cela ne constitue pour toi et moi qu'un obstacle à une réelle progression spirituelle, bien sûr, comme il est écrit ici, toutes ces choses sont dirigées contre le corps dans une dureté impitoyable. Bien sûr que oui. Quand. Vous allez au monastère ou ailleurs, là tout est dirigé contre le corps avec une dureté impitoyable. Partout où les gens veulent servir Dieu et ne suivent pas le chemin et ne, ne voient pas la croix, et l'homme accomplit la rédemption, il y a une dureté impitoyable. Là où Christ n'est pas le centre de l'enseignement, mais là où les hommes voient la croix et le crucifié. Ils remettent leur vie à Dieu, Regarde celui qui est mort pour eux et vivent dès lors pour lui, selon l'Écriture, et avec lui et par sa grâce. Que Dieu bénisse cette courte parole qui nous est adressée. La parole qui m'a été adressée, qui m'a été, euh, pas adressée, mais qui m'a été donnée dimanche à Zurich et qui a inondé mon cœur, me poursuit encore aujourd'hui et je regardais la Bible. Et je devais toujours revenir à cette parole du prophète Agé, le premier chapitre du verset 12. Agé, chapitre 1, verset 12. Alors Zorobabel, fils de Dieu, Josué, fils de Josadak, le souverain sacrifateur. Tous ceux qui restaient du peuple écoutèrent l'avertissement de l'Éternel leur Dieu, c'est-à-dire les paroles d'Agé. Le prophète, comme il le reconnaissait et en tant que celui qui leur était envoyé par l'Éternel leur Dieu, où le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Nous sommes ici transportés à l'époque qui suivit la captivité de Babylone. Dieu, envoyait, Dieu envoya un prophète parmi son peuple, parmi ceux qui furent ramenés après la captivité à Babylone. Et nous lisons ici qu'ils obéirent à la voix de l'Éternel leur Dieu et prirent à cœur les paroles du prophète âgé, comme ils reconnurent qu'il leur avait été envoyé par l'Éternel leur Dieu. C'est une parole merveilleuse. Combien de prophètes ont été envoyés sans qu'Israël n'ait reconnu leur mandat Combien de prophètes ont apporté le message et le Seigneur dit où irait où aurait-il été un prophète que vous n'auriez pas persécuté, un envoyé de Dieu que vous n'auriez pas lapidé Mais ici un prophète s'est présenté et a été écouté. Et le peuple d'Israël comprit que l'Éternel, leur Dieu, leur parlait à travers lui, leur parlait à travers lui, et qu'il leur avait été envoyé. Pour eux, quand Agé parlait, c'était Dieu qui, qui leur parlait. Tout cela réunit un message glorieux sous lequel l'air ceux qui sont revenus se sont rassemblés, unis. C'était le centre de leur union. Pas seulement le retour à Jérusalem, mais la parole vivante révélée au milieu d'eux qu'un homme pouvait se présenter et dire Ainsi parle le Seigneur. Je suis avec vous, dit l'Éternel. Et il donna le message que Dieu lui avait demandé de transmettre. Tous ceux qui sont envoyés reçoivent ce qu'ils doivent dire et. Ce qui est merveilleux, c'est que Josué et Zorobabel, ces hommes qui ont entendu le message prophétique, ont cru et que tout le peuple a cru aussi. Mais qui a cru Ceux qui sont revenus, ceux qui sont sortis de Babylone. Pas ceux qui étaient restés à Babylone, mais ceux qui étaient sortis de Babylone, qui étaient revenus et qui avaient compris de quoi il s'agissait à l'époque. À l'époque. Si nous faisons... Partie de ceux qui sont sortis de la captivité à Babylone. À, et maintenant, nous écouterons ce que Dieu a à nous dire aujourd'hui. Aujourd'hui. Il est dit ici des deux de Zorobabel et de Josué, et ainsi de suite, tout le reste du peuple et tous ceux qui restaient du peuple. Écoutèrent, obéissaient à la parole, à la voix de l'Éternel, leur Dieu. C'est-à-dire les paroles d'Agé, le prophète, comme ils le reconnaissaient, étant envoyé de Dieu. Tout le reste du peuple écouta la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles du prophète, Agé, comme l'Éternel l'avait envoyé à leur. N'est-ce pas merveilleux? Tous ceux qui étaient revenus n'avaient qu'un seul cœur et qu'une seule âme. Ils voyaient leur désir en partie déjà satisfait. Le temple n'était pas encore construit, mais leurs pieds étaient à Jérusalem. Ils n'étaient plus en, en terre étrangère. On dit bien dans le psaume 137 chantez-nous vos chants cantiques de Sion. Et la réponse était, comment chanterions-nous les cantiques de Sion sur une terre étrangère Et il est dit qu'ils étaient assis près des, feuves, des fleuves de Babylone et que leur, leur harpe était suspendue au sol, au, au, au pilier. Mais, mais maintenant, la situation avait changé. Dieu avait tourné sa face vers eux. Et lorsque cela arriva, il leur envoya un prophète, fit proclamer son message, sa parole de manière vivante. Au milieu d'eux, et tout le peuple reconnut que le Seigneur Dieu l'avait envoyé au milieu d'eux. C'était la grâce de ceux qui étaient revenus et leurs pieds avaient foulé le sol de la promesse. Et avec le foulage du sol de la promesse venait le message divin, a suivi le message divin. Et la chose était réglée de la part de Dieu. Il a tourné le cœur de son peuple. À lui, ce ne sont pas seulement leurs yeux terrestres qui ont vu l'endroit, ce ne sont pas seulement leurs pieds terrestres qui avaient pénétré dans la ville, mais leur cœur s'était ouvert pour qu'ils ne se promènent pas maintenant dans cette ville de manière oisive, mais qu'ils comprennent la tâche divine liée à, notre, à leur retour à Jérusalem, la tâche divine, le sens et le but de leur retour. Et je me demande qui en ce moment comprendra le sens et le but de notre retour de toute confusion. Non pas pour que nous nous promenions en pensant, parlant ou faisant ceci ou cela, mais pour que nous reconnaissions maintenant la tâche divine qui nous a été confiée par Dieu après que nous ayons foulé le sol de la promesse divine pour notre temps. Il ne suffit pas d'ouvrir les yeux et de dire Ah, comme c'est bon d'être de retour ici. Il ne s'agit pas de regarder vers le bas et de dire Ah, merci Seigneur de ce que nos pieds peuvent à nouveau fouler ce sol. Cela ne suffit pas. Il s'agissait de bien plus que cela. Le temple de l'Éternel, la maison de Dieu, devait être reconstruit afin. Que la gloire de Dieu puisse à nouveau descendre. Ensuite, au verset 13, dans cette traduction ici, âge, l'ange de l'éternel, qui avait le message de l'éternel, fit cette révélation au peuple. Je suis avec vous, dit l'éternel. Telle est la déclaration de l'éternel. Ici, cet homme de Dieu, ce prophète, est désigné comme un ange, qui avait le message de l'éternel. Il était un messager de Dieu, un envoyé du Seigneur. Et n'avons-nous pas justement à cette époque, dans ce temps, bien que depuis près de 2000 ans, ça n'avait jamais été le cas, toutes ces choses entendues, euh, n'avions-nous pas entendu toutes ces choses par le dernier ange, à la, au dernier âge de l'Église, par eux, le messager et le message. N'avons-nous pas entendu euh, en ce temps-là de même que le peuple d'Israël a vécu le retour à, à la fin de sa captivité c'est la même chose pour nous aujourd'hui encore. Dieu ne nous a-t-il pas ramené sur le sol des promesses? Oui, c'est vrai, mais ce qui compte maintenant, c'est ce, ce qui était, est ce qui est dit ici. Agé par là. Bien sûr que c'était Agé qui parlait, mais c'était Dieu qui parlait à travers lui. On entendait bien sa voix, on entendait bien les mots qu'il prononçait. Mais c'était la parole de Dieu qui passait par lui. Qui passait par lui. Alors Agé, l'ange du, du Seigneur, prit la parole. Qui avait, la, le, qui, a, qui avait le message du Seigneur. C'est comme, comme ça que c'est écrit dans cette traduction. Oh, ne remarquez-vous pas combien une telle phrase est importante, précieuse, qui avait le message du Seigneur. Beaucoup ont pourtant parlé, mais ici, un homme envoyé par le Seigneur a prononcé la parole du Seigneur. Et cela au bon moment, conformément à la promesse faite pour ce temps-là. Beaucoup ont parlé en ce temps-là, mais Dieu a envoyé son ange. Il a envoyé sa parole. Et. Il ne nous sert à rien de nous complaire dans l'adoration d'un tel ange et de dire, bien sûr que Dieu a envoyé son ange et je le crois de tout mon cœur. Ceci et cela, cela ne suffit pas du tout. Cela ne suffit que si Dieu peut atteindre son but avec toi et avec moi, avec son Église, à savoir la, le, la construction de l'Église afin que sa gloire puisse revenir parmi son peuple. C'est ça qu'il s'agit. Elle ne reviendra pas avant. Tout le reste peut nous amener à nous regarder avec complaisance. Il ne s'agit pas de ta complaisance ou de la mienne. Il s'agit de permettre à Dieu de regarder avec complaisance son Église, son corps. Tant qu'un seul d'entre nous se regardera avec complaisance, Dieu ne pourra pas regarder l'Église avec complaisance, car il ne sera pas encore là. Nos pieds peuvent être ici, nos yeux peuvent être ici, nos oreilles peuvent être ici. Mais au plus profond de notre cœur, nous n'avons peut-être pas encore tout à fait compris le sens et le but de notre retour. Nous avons ici un modèle direct, un exemple dans l'Ancien Testament de ce que Dieu a fait après que le temps de la captivité soit passé. Et que le peuple ait été ramené dans le pays de la promesse, dans la cité de Dieu, dans la ville de Dieu. Angers, l'ange de l'éternel, par là, lui qui avait le message de l'éternel, il adressa cette révélation au peuple. Je suis avec vous, telle est la déclaration de l'éternel. Il y avait là un ainsi dit le Seigneur. Ici, si c'est Dieu lui-même qui a parlé au milieu de son peuple. C'était parmi ceux qui avaient été appelés à sortir, ramener et auxquels Dieu avait mis la parole dans le cœur. Ils ont reçu sa parole. Dans le prophète âgé, ici, Frère Franck utilise la traduction en allemand du reformateur Martin Luther. Le verset 14 maintenant. Alors l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel fils de Chiatil, gouverneur de Juda et l'esprit de Josué fils de Josagath, de Josadac le souverain sacrificateur et l'esprit de tous ceux qui restaient du peuple de sorte qu'ils vinrent et se mirent à travailler au temple de l'Éternel des armées leur Dieu. Ce ne sont pas seulement les frères qui servaient à l'époque. Si je puis m'exprimer ainsi, comme on dit les frères serviteurs, qui ont ressenti la, la saisie de l'Esprit de Dieu dans leur esprit. Mais eux et tout le reste du peuple, une unité s'est établie entre le message prophétique et ceux qui étaient revenus et devaient se mettre à l'œuvre. C'était une harmonie divine. Et il doit en être de même. Maintenant, là où cette harmonie divine ne se produit pas et n'arrive pas, les gens suivent encore leur propre chemin. Ils peuvent se vanter d'avoir des visions et vouloir se distinguer du peuple et prétendre avoir compris le message et avoir reçu le messager et le désigner de l'ange du Seigneur et ou bien le septième ange de l'église, peu importe. Comment ou quoi? Dieu a fait en sorte que mon frère lise Colossiens 2. Je n'y aurais jamais pensé. Remarquez-vous, ici, la conduite du Saint-Esprit, on peut dire, nous avons reconnu que tu es un ange du Seigneur. Tu as le message de Dieu. Nous reconnaissons ton ministère, mais cela ne suffit pas du tout. Si ce n'est que ce n'est que lo, seulement lorsque le même Esprit Saint qui a reposé sur le prophète, qui sur le prophète et qui a apporté le message, reposera sur tous les autres qui ont accepté le message et reçu le message. Ce n'est qu'alors que le sens et le but du retour et de l'entrée sur le sol saint de la promesse pourront être accomplis. Avant cela, nous nous regardons les uns les autres avec complaisance, ou plutôt chacun se regarde euh, soi-même avec, euh, n'est-ce pas, à, à, avec complaisance. Jamais les gens se regardent l'un l'autre avec complaisance. Quand c'est avec complaisance, c'est toujours soi-même qu'on regarde avec complaisance, n'est-ce pas On ne regarde pas l'autre avec autant de complaisance que l'on se regarde euh, parfois soi-même. Mais laissez-moi vous dire encore une fois, car l'esprit de Dieu m'avertit certainement. Tant que vous et moi et tous les autres, nous nous regardons encore avec complaisance, ils peuvent revendiquer n'importe quelle fonction et, et reconnaître le message et le messager du 7 septième ange à la septième au septième âge de l'église et ensuite s'attacher malgré tout par leur bouche à toutes ces choses avec une humilité et une piété qu'ils ont eux mêmes choisies et être gonflés. Charnellement dans leur, dans leur cœur pour ne pas reconnaître l'œuvre du Saint-Esprit dans leur époque, maintenant. Malgré ça, ils ne reconnaissent pas ce que Dieu fait aujourd'hui. Et laissez-moi vous dire très clairement que des hommes ont voulu faire leur propre œuvre dans l'église. Et où en sommes-nous arrivés L'église est l'œuvre de Dieu. Et les hommes n'ont rien d'autre à faire dans l'église que de se confronter à l'action de Dieu et d'être saisi par l'action de Dieu et de prendre part à ce que Dieu fait. Personne n'est le conseil secret de Dieu et personne ne peut dire c'est comme ça que Dieu va faire. Tous ceux qui étaient appelés à servir et ceux qui étaient appelés à travailler, ainsi que tout le peuple étaient d'accord et se mettaient à l'œuvre pour la maison du Seigneur. Ainsi, le but final du retour de Babylone n'était pas de revenir à la ville de Jérusalem. Ce n'était pas d'apercevoir une fois cette ville. Mais il y avait dans la ville un endroit particulier. Et c'était le temple. Et il s'agissait de ce temple, de la construction de ce temple. Je vous le dis, il ne suffit pas que nous ayons été ramenés. Il ne suffit pas que nous nous vantions de ceci ou de cela, ou que nous nous regardions avec complaisance. Ce n'est que, et en général c'est par rapport aux autres, hein, toujours par rapport aux autres, qu'on se regarde avec complaisance. Ce n'est que, mais ce n'est que lorsque l'Église aura pu être unie, réunie de cette manière, lorsque plus personne ne sera gonflé dans ses sens charnels et ne, et, et ne se regardera pas avec complaisance, mais que chacun aura compris la, pro, la première partie du deuxième de, de Colossiens, chapitre 2, avant les, versets 16, avant les versets 16, à savoir, à partir du verset 11, que Christ a offert un sacrifice, une fois pour toutes, que là, que la lettre de condamnation est, est, est anéantie, est déchirée, est, est effacée, et que l'accusateur des frères, il n'a plus rien à accuser. Ici, c'est le cas. L'avocat est là et intercède pour nous. C'est ce que nous lisons dans la parole de Dieu. Il est dit ici que tous les tous les Zéro Babel, Josué et tout le peuple ont reçu l'esprit ou ont été saisis par l'esprit et ont reconnu l'œuvre de Dieu et ils se sont ruinés. Chacun n'a pas construit sa propre chose, mais tous se sont retrouvés là, au même lieu où la maison de Dieu devait être construite. Et ils sont ainsi devenus une partie de ce que Dieu a fait en ce temps-là. Il en va de même à notre époque. Nous ne pouvons pas autrement prétendre prendre part à ce que Dieu fait aujourd'hui. La sortie ne signifie pas que chacun prépare sa propre soupe, mais que nous comprenons que la mort est partout dans la marmite, là où les hommes ont mis quelque chose par leurs propres pensées et leurs interprétations. Ce n'est que là où Dieu se révèle et où nous n'ajoutons rien à sa révélation, ce n'est que là qu'il pourra construire son église. Parfois, nous pensons devoir construire l'église nous-mêmes, comme si ce serait notre église. Parfois, nous pensons devoir construire l'église. Notre Seigneur a dit, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne pourront pas contre elle. Mais nous... Sommes son peuple. Nous, son peuple, nous devons être insérés comme des pierres vivantes dans cet édifice divin afin que le Seigneur puisse se glorifier. Au chapitre 2, au verset 3, il est écrit Ag, chapitre 2, verset 3. Qui d'entre vous est encore vivant, qui a vu ce temple dans sa gloire passée? Et comment le voyez-vous aujourd'hui tel qu'il est, ne paraît-il pas comme rien à vos yeux? Le verset 4, maintenant, prends courage, Zorobabel, c'est la déclaration de l'éternel. Et prends courage, Josué, fils de Jos, Sadak, toi le souverain salvateur. Et prenez courage, vous tous qui formez le peuple du pays, c'est la déclaration de l'éternel. Et travaillez car je suis avec vous, c'est la déclaration de l'éternel des armées. N'est-ce pas là une parole glorieuse? Il s'agit d'une promesse de courage et de force pour ceux qui sont revenus, revenus, et toujours adressés à tout le peuple. Vous savez, même si Dieu nous a rappelés et ramenés, il peut arriver que nous pensions que nous ne pouvons plus continuer. Mais notre Seigneur a dit un jour Seigneur, si c'est ta volonté, que ce ne soit pas la mienne. Mais la tienne qui se fasse humainement parlant, ici cet homme et tout le peuple ont été encouragés. Maintenant, prends courage, Zorobabel. C'est la déclaration de l'Éternel. Et prends courage, Josué. Fils de Josadak, dit l'Éternel. Toi le souverain sacréateur. Et prenez courage, vous tous qui formez le peuple du pays, c'est la déclaration de l'éternel. Et travaillez, car je suis avec vous, c'est la déclaration de l'éternel des armées. Vous remarquez que c'est ce que l'éternel dit dans ces versets, qui a la priorité, c'est le ainsi dit l'éternel, qui a la priorité, que ce n'est pas seulement une histoire ou, ou un fait qui a été rapporté, mais une instruction vivante du Dieu vivant, à l'heure où le peuple de Dieu avait un besoin urgent de cette instruction. C'était la parole nécessaire pour que le peuple soit encouragé. Et je pense que Dieu suit avec l'Église le même chemin qu'avec Israël. C'est ce que nous avons entendu maintes et maintes fois dans les prédications de Frère Branham. Et nous voyons le chemin que Dieu suit avec nous en ce moment. La question a été posée ici. Qui reste-t-il qui reste-t-il de ceux qui ont vu cette maison dans sa gloire Il y avait encore des gens qui avaient survécu 70 ans ou, ou bien 70 ans et qui étaient revenus. Et ils n'ont pas vu une maison pleine de vastes, de, de faste, de beauté et de gloire. De vases, pardon, de beauté et de gloire. Ils ont vu un tas de décombres devant eux. Ils ont vu des ruines devant eux. Et la question était qui est resté d'entre vous celui qui a vu cette maison dans sa gloire passer, et comment la voyez-vous maintenant, n'est-ce pas, qu'il vous semble qu'il n'y a ri plus rien qui reste Oui, on pensait que le beau temple, la maison de l'Éternel, n'était plus rien du tout. Il n'y avait plus que des ruines. Il ne reste plus rien de ce qui était au commencement. Et puis l'esprit prophétique se manifeste et le Seigneur parle par, par le prophète et dit « Maintenant, prends courage, Zorobabel, dit l'Éternel, c'est la déclaration de l'Éternel, et prends courage, Josué, fils de Josatak, Josac, toi, le souverain savateur. et prenez courage, vous tous qui formez le peuple dans le pays, c'est la déclaration de l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, prenez courage, c'est la déclaration de l'Éternel des armées. » Salomon écrit à un moment donné, il y a un temps pour tout, pour planter et pour moissonner, pour se coucher et pour se lever, pour démolir et pour bâtir. Il y a un temps pour tout. Il dit aimer pour aimer et haïr il y a un temps pour tout. Mais je pense, je veux dire que si nous évaluons correctement le temps, en ce moment, le temps est venu pour nous de donner à Dieu la possibilité de nous réunir tous dans un même lieu. Toi et moi dans un seul esprit et c'est son esprit, le Saint-Esprit et que nous soyons construits dans et bâtis dans cet esprit comme des pierres vivantes pour devenir une demeure de Dieu dans l'esprit, un temple vivant, car Dieu n'habite pas dans un temple construit de main d'homme, mais nous devons être le temple même du Dieu vivant, là où il peut habiter et se manifester. Maintenant, je dois sauter quelques, quelques passages, le temps est passé, il est dit ici, dans le verset 9, AG 2, verset 9. Toujours la traduction du réformateur Martin Luther en allemand. La gloire future de ce temple sera plus grande que celle du premier, dit l'Éternel des armées. Et en ce lieu, je donnerai la paix. C'est ce que déclare l'Éternel des armées. N'est-ce pas là une glorieuse promesse La deuxième maison. Le deuxième temple, le temple qui fut construit après la captivité, devait avoir et avait une gloire plus grande que celle du premier. Et c'est en ce lieu que la paix devait être établie et procurée, dit l'Éternel, des armées dans l'église de la fin réunis et unis par le Saint-Esprit, la paix de Dieu gouvernera nos cœurs et la paix de Dieu est supérieure à notre raison. Notre raison est bien sûr raisonnable, le mot le dit déjà, mais seulement à nos propres yeux. Aux yeux de Dieu, notre propre raison est une folie. Car il a confondu la sagesse des sages. Et celui qui pense être sage en présence de Dieu doit d'abord devenir un insensé pour faire l'expérience de la véritable sagesse, sagesse divine. Celui qui a la paix fera la paix procurera la paix, cherchera la paix, poursuivra la paix et apportera la paix. Et le Seigneur dit même, quand vous entrez dans une maison, dites-y que la paix soit avec vous. Celui qui a cette paix dans son cœur et que cette paix le gouverne, celui-là peut la prononcer du bout des lèvres et la procurer aux autres. Et s'il y a des enfants de paix dans la maison, la paix de Dieu demeurera avec eux dans cette maison. Ainsi là où le peuple est revenu, là où la maison de Dieu a été rebâtie, la gloire devrait être beaucoup plus grande qu'elle ne l'était la première fois. Là où le Seigneur est revenu parmi son peuple et là il devait y avoir la paix. Il a dit, je donnerai la paix en ce lieu, en cet endroit. Quel était ce lieu? Quel était ce lieu? Non, pas celui que toi et moi avions choisi, mais le lieu que Dieu avait choisi et l'endroit qu'il avait choisi. Et le peuple qui s'y était rassemblé était dans la paix de Dieu, avec Dieu et les uns avec les autres. et là, L'unité, l'unanimité, l'union, la concorde régnait parmi eux. Et la promesse est la suivante. C'est là que la gloire de cette première maison sera plus grande. En effet, celle de la première est ordonnée si nous pensons aux, aux, aux actes des apôtres et de voir la maison de Dieu, l'Église, dans le christianisme primitif. Oh, alors notre cœur s'enflamme. Et si nous regardons aujourd'hui, oh, nous aimons comme ceux d'alors avec des yeux terrestres, dire, mais nous voyons devant nous que des ruines, rien que des ruines, rien que des décombres. Et la question était, comment regardez-vous cette maison? Oui, si nous regardons les actes des apôtres, nous pourrions dire aujourd'hui que l'Église est comme une ruine, est comme en ruine et en décombre. Et la question était, comment regardez-vous cette maison Ils ont vu avec des yeux terrestres ce qui était là. Mais grâce au message prophétique, leur cœur a été touché et encouragé. Et ils savaient, nous ne sommes pas revenus pour nous attarder sur ces ruines. Nous sommes venus ici pour déblayer les fondations, pour reconstruire, pour que la gloire de Dieu puisse descendre à nouveau comme au commencement. Je veux dire que nous sommes dans le vrai. Et les chanteurs ont bien chanté la pluie de l'arrière-saison. Et la parole dans le prophète Joël parle de la pluie du matin. Donc, et, du, et donc de l'avant et de l'arrière-saison. Et que Dieu enverra en même temps les deux, la pluie de l'avant et de l'arrière-saison. Au même, au, même, au même moment. Une double pluie tombera donc sur l'église à la fin. Et nous ne serions pas étonnés que la gloire de Dieu reviennent à l'Église dans une mesure encore plus grande. Car il faudra maintenant un témoignage mondial de ce qui se passait alors à Jérusalem parmi le peuple juif. Il, car il faudra maintenant dans notre temps un témoignage mondial. Cela devrait, devrait maintenant se produire parmi les peuples païens. Notre Dieu est capable de faire grandir la gloire, sa gloire, maintenant à la fin comme elle était au commencement. Oui, maintenant, vous pourriez dire que si nous avions Jean, Pierre et Jacques ici, cela serait certainement possible. Si Paul et quelques autres grands étaient ici et peut-être aussi Frère Branham, il nous suffirait alors déjà dans ce cas. Mais non, Dieu a pris tous les grands hommes pour qu'ils puissent se révéler lui-même comme, lui comme le grand à la fin et nous couronner de grâce et de miséricorde. Nous ne sommes pas seulement revenus avec notre corps où nous n'avons pas seulement reçu les choses euh, avec notre intelligence, non. Le message prophétique nous est allé droit au cœur. Et comme les frères Branham l'ont toujours dit, le cantique ou le compositeur, le poète ou le compositeur, et celui qui exécute la symphonie ou ce qu'elle est, tout cela doit être en accord, en harmonie. Nous qui sommes rappelés, devons être en accord avec l'appel prophétique. Et le même esprit de Dieu doit être sur nous tous. Et alors, plus personne ne se regardera avec complaisance. Non, plus personne. Alors nous nous retournons de, tout, de nous, de nous mêmes. Nous nous détournons de nous mêmes et disons, Seigneur, éloigne toi de moi, car je suis un homme pécheur. Puis il s'exclame et dit Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et chargés, je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos pour vos âmes. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Et c'est si Dieu l'a dit ainsi. Et peut-être combien de temps ont-ils construit Ils ont construit le temple pendant 47 ans ou 46 ans. Cela n'avait aucune importance. Quand le temps fut accompli. Dieu se souvint de sa parole, descendit avec sa gloire et remplit le temple comme il l'avait promis. Frères et sœurs, ne regardons pas le tas de ruines actuelles. Ne regardons pas ce que Dieu, ce que nos yeux, pardon, ne regardons pas ce que nos yeux voient, mais fermons nos yeux à tout ce qui est terrestre et ouvrons notre cœur. Au spirituel, en disant Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur afin que je voie ce que tu as l'intention de faire maintenant, en ce temps. Et dans le lieu où Dieu pourra rassembler son peuple en une seule église, c'est là et c'est seulement là qu'il y aura la paix. C'est là et c'est seulement là que les gens connaîtront la paix avec Dieu et vivront la paix avec Dieu. Personne ne se vantera plus de dire, oui, je crois le message et le messager, je sais qu'il était le septième ange à la septième, à, au septième âge de l'Église. Celui qui dit cela et se regarde avec complaisance n'a pas compris encore le message et le messager. Au contraire, celui qui a vraiment compris par l'esprit ce que Dieu fait ne se regarde pas avec complaisance, il aura du dégoût pour lui-même et regardera le Seigneur qui nous a rendus agréables devant la face de Dieu par sa mort sacrificielle sur la croix à Golgotha. Je l'ai dit à Zurich et je voudrais le dire ici aujourd'hui pour conclure. Je suis reconnaissant de tout cœur pour chaque parole de Dieu, pour chaque parole de Dieu que nous avons dans la Bible. Mais pour cette petite phrase, tout est accompli de Jean. Je suis profondément reconnaissant dans l'Évangile de Jean. À quoi cela aurait-il servi pour toi et pour moi de savoir que Christ a souffert, qu'il est mort, qu'il a été enterré, enterré. S'il n'avait pas prononcé cette phrase sur la croix, tout est accompli. Et le rideau du temple s'est déchiré. Ce n'était pas seulement des mots sur la croix, c'était une action divine. Le rideau s'est déchiré du haut en bas et la voix était libre. C'est accompli ce soir aussi et pour toujours. Et nous n'avons plus besoin de bricoler avec nous-mêmes. Et en nous-mêmes. Non, cela ne produira jamais quelque chose de nouveau. Seul Dieu peut faire toutes choses nouvelles dans ta vie. Toi et moi, nous pouvons mettre une nouvelle, euh, une nouvelle rustine après l'autre. Mais cela ne profitera à personne. Heureux l'homme qui vient au Seigneur pour qu'il puisse tout refaire. Et alors, toi et moi serons aidés. Nous serons alors ruinés. En un seul corps du Seigneur, personne ne se gonfle plus, personne ne s'élève, personne ne se croit plus avancé ou plus spirituel que l'autre. Tous sont ruinés d'un commun accord dans le message prophétique, comme c'était le cas alors parmi le peuple d'Israël autrefois. Ce n'était pas un service régulier, un service divin régulier qui se tenait là. Cela dit. C'était car le ainsi dit le Seigneur a été placé au milieu du peuple de Dieu à la fin de leur captivité à Babylone. La même chose s'est reproduite à la fin de la, du septième âge de l'Église. Le ainsi dit le Seigneur est placé au centre. Il ne s'agissait pas d'un service divin régulier de type traditionnel, mais de ceci. Ainsi parle l'Éternel. Et tout le peuple reconnu qu'Agé, au nom du Seigneur, leur avait dit. Et leur parlait et qu'il était envoyé par Dieu. Ils comprenaient que ce qu'il disait, c'était la parole de Dieu, même directement dans sa bouche. Et ils acceptèrent unanimement ce qui leur était apporté. Et en cela, ils devinrent un seul cœur et une seule âme dans l'esprit de Dieu, par l'esprit de Dieu, avec Dieu, les uns avec les autres. Et le Seigneur pouvait les bénir tous, les préserver et bénir le travail de leurs mains. Car. Elle était faite. Car il était fait donc le travail selon sa volonté. Que Dieu nous ouvre les yeux spirituels, que nous transposions tout cela à notre temps actuel et que nous le comprenions, que nous l'acceptions, que, que nous laissions Dieu nous y, nous y insérer de cette manière et que nous lui en soyons reconnaissants et que nous allions ensemble de l'avant en permettant au Seigneur de nous réunir, liés par tout ce qui relie au corps humain, par tout ce qui relie un corps humain. Que comme ça, nous soyons unis spirituellement. Il en va de même dans l'esprit. Tel que le corps humain est relié, c'est ainsi que nous devons être liés dans l'esprit. Les tendons, les articulations, tout en fait partie. Et c'est ainsi ce qui, ce qui nous... Vous décrit dans Colossiens 2, le corps du Seigneur n'est pas constitué de, de, de membres éparpillés, divisés. Non, le corps du Seigneur est une unité assemblée dans laquelle Dieu peut se révéler, se, révéler, se manifester, dans laquelle il peut agir et ce, à la fin du, de manière encore plus glorieuse qu'au début, qu'au commencement. Et j'ose dire que tous les élus qui ont été appelés à sortir maintenant renonceront. À faire cavalier seul et se laisseront confronter à et assembler à, à Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen d'atteindre le but divin. Il n'y a pas d'autre moyen que Dieu nous aide, toi et moi, et qu'il nous bénisse tous par grâce au nom de Jésus. Amen. Amen. Levons-nous et prions ensemble. Père Céleste, je te remercie de tout mon cœur pour ta précieuse et sainte parole. Je te remercie pour la conduite de ton Saint-Esprit. Seigneur fidèle, à quoi cela nous servirait-il de savoir qui était l'ange de l'Odyssée à Philadelphie, de Sardes, à Smyrne? qui était l'ange d'Éphèse ou de Pergame, à quoi cela nous servirait-il de nous regarder avec complaisance Ô Sauveur, à quoi me servirait-il de me glorifier de tout ce que tu as fait, de tout ce que j'ai reçu et expérimenté si je ne me laissais pas insérer sous l'écoute du message prophétique et de l'action de ton Saint-Esprit dans l'organisme vivant du corps de Jésus-Christ. Oh Seigneur, bien-aimé, tu as donné la parole. Je t'en remercie pour cela. Ah, comme tu es fidèle, Sauveur, puisse le temps se lever bientôt afin que tu puisses... Jetez sur nous un regard bienveillant. Purifie-nous par la puissance de ton sang. Lave-nous dans ta parole, au Seigneur. Et guide-nous par ton Saint-Esprit. une profonde reconnaissance. J'ai une profonde reconnaissance, Seigneur fidèle. Car nous aussi, nous avons reconnu le message et le messager. Et nous les avons reçus. À l'unanimité, ton esprit règne au milieu de nous. Ton esprit règne au milieu de ceux qui ont reçu le message de l'heure révélé par ton esprit et qui ont abandonné leur propre voie pour te suivre et être édifiés ensemble. Ô Seigneur, fidèle, béni avec nous ton peuple tout entier dans l'adoration. Bénis tous ceux qui sont dispersés. Bénis tous ceux qui se sont égarés. Tous ceux qui ont été offensés ou même scandalisés. Seigneur, n'as-tu pas envoyé dire au tien, vous vous offusquerez tous de moi. Vous vous disperserez tous. Mais ensuite, Seigneur, tous se sont réunis à nouveau après la crucifixion et tu t'es fait connaître comme le ressuscité. Sauveur, je te prie de faire en sorte qu'il en soit de même maintenant. Seigneur, nous te prions de confirmer ta parole par des signes et des miracles. Qui l'accompagne, sauve les perdus, guérit les malades, libère les possédés, qu'aucun autre esprit, que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, ne soit à l'œuvre au milieu de nous et dans nos cœurs. Seigneur, je te remercie, tu es puissamment. Présent, inonde-moi et nous tous de ta puissance. Que ton nom soit loué et glorifié. Nous avons entendu le message prophétique. Nous sommes venus et nous verrons les promesses s'accomplir. Je te remercie. Je te remercie. Je te remercie. Seigneur fidèle pour ta parole révélée et ta volonté manifestée pour tes paroles et pour ton action en notre temps. Alléluia Ton nom merveilleux et à ton nom merveilleux et saint. Bénis tous ceux qui sont ici et tous ceux qui vivent dans la dispersion. Bénis tous ceux qui ne trouvent pas encore leur chemin soit le bon berger nos paroles sont que des paroles humaines mais ta parole est divine elle redressera et sera une lumière sur notre chemin même dans les plus profondes ténèbres dans les plus profondes ténèbres dans les plus profondes ténèbres Rends grâce, Seigneur. Je te remercie, Seigneur fidèle. Tu es sur le trône. Tu révèles la bonne parole au bon moment. Et je suis certain que ce soir, tu as parlé très clairement à tous nos cœurs. Aucun de ceux qui sont ici n'a dû le manquer. Au contraire, tu nous as parlé. Et ton esprit nous a conduits dans toute la vérité. Puissions-nous, comme alors n'être qu'un seul cœur et qu'une seule âme et voir et faire en ton nom ce que tu as promis et voir et expérimenter en ton nom ce que tu as promis pour ce temps et ce à quoi tu nous as destiné. Nous te rendons grâce et gloire au Saint-Nom de Jésus. Alléluia. Amen.